Salut les filles, bonjour et bienvenue dans cette vidéo du run des légendes. Ah, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, je suis content d'avoir un personnage à qui je peux refaire ça. Souvenez-vous, je l'avais déjà fait avec CGR, 6R4 et Soso, 6R4 aussi, en synergie bien entendu. Soso a mis une branlée mémorable à CGR, vraiment, très surpris. Vraiment très très surpris de l'efficacité aussi énorme que ça de Soso qui faisait des très gros P2. Voilà, là on se retrouve, je peux en refaire un, enfin, voilà, sur le compte encore de Dark Chris. C'est mon leader a ascensionné son Hercule 6R5. Je me dis là, on peut pas faire plus gros, voilà. Donc je veux faire un run, je veux dégommer le plus vite possible tout le RDL et voir un peu ce que Hercule envoie vraiment, envoie du lourd, vraiment on va y aller. Il est en suicide en plus, donc c'est vraiment là où Hercule est vraiment le plus puissant. On va s'éclater comme ça. Voilà, je vous cache pas que j'ai encore pas testé, hein. Je vous dis franchement là, voilà, il est là, il y est, on va y aller, on va y aller, clairement. On va taper, on va faire ce qu'il y a à faire et puis bah on va voir les temps. Alors là, je les enregistre pas tout de suite les temps parce que bah, je combats avec vous. Mais plus tard, je les noterai et j'essaierai de retrouver un peu mes temps de Soso et de CGR pour tout noter. S'il faut, je re-regarderai mes vidéos. Vraiment. Pour voir les timers, mais... Là, il a bien suivi. Voilà, un petit renversement. Ça va, j'ai pas perdu trop de vie. J'avais peur de perdre de la vie à cause des suicides. Mais là, franchement, 41 coups pour Hercule. Pas chargé dès le début du combat. C'est plutôt bien. C'est bon signe pour la suite, vraiment. En synergie, je lui ai mis Circé parce que bah ça rajoute je sais plus quoi. Comment vous l'appelez Black Panther et Captain America parce que vous savez que ça met des brises armures et l'espèce sont imbloquables si jamais il y a besoin, comme là. Voilà, je suis bien content. Hop là, un petit brisillard. J'aurais pu en mettre un deuxième. Bon, le speedo en inter. Oh, mais il va tuer? Non? Ah non, peut-être pas. Oh bah. Ah! Il a pas tué, mais on était vraiment pas loin. Là, 26 coups. Ça va aller vite, hein. Soso sont beaucoup de combats. Un speedo, elle tuait. Là, franchement, ça va plutôt vite. J'espère pas trop me faire niquer. Alors là, c'est le vieux. Lui, il est irrésistible. Hein. Si je me souviens bien au début du combat. Ah bah non. Là, il y est. Mince. Voilà, un petit renversement. Allez, un gros speedo. Et je suis pas en immortalité, hein. Je suis pas à pleine puissance de Hercule. Hein. Et ça va déjà vite. Et ça va très vite même. Je sais pas si je me laisserai pas. Je sais pas si je me laisserai pas aller quand même dans l'immortalité pour gagner du temps. Parce que le but c'est vraiment d'aller le plus vite possible.
Il va jamais mourir. Oh non! Il s'est arrêté! Allez, Rhino. Ah ouais. Un speed en inter en plus, il va mourir. Oh bah non, pas du tout. L'énorme résistance qu'il a eu. Bon, je perds un peu de temps, mais j'aimerais passer en immortalité pour gagner du temps. Elle, la grosse P2, elle va me dégommer. Voilà, je suis à 12 tout le temps. Là, c'est bon. Je suis pas à 5% encore. On va faire du full SP1 avec elle pour le moment. Encore 5% en moins. Allez. Oh, je m'éloigne, mais elle vient quand même. À 15, plus que 15%. Voilà, on y est. Bon, d'accord, à la belle inter. Voilà, là, on est dans la puissance max d'Hercule, en suicide. On va voir la suite. On a fait quand même un très bon début. On est à 12. On est parti. Il n'y a vraiment pas grand-chose en point de vie. Oh, c'est obligé, c'est le cul. Ouais, j'allais dire, c'est le cul pas, là, c'est pas normal. 85 000. Fait des combats de fou. Hein. Je ferai des pauses quand même sur les. Je ferai des pauses en fin de combat pour regarder le timer, parce que je passe un peu vite quand même, mais. Allez, une petite inter. On repère 5%. J'ai même pas le temps d'y descendre. J'ai même pas le temps de retourner en immortalité. Qu'il meurt. C'est fou ça. Hein. C'est fou. Vous jurez que son spé, il m'a purgé l'immortalité? Ah, c'est moche! Ah! Ah! Ah!
C'est énormissime. Bon, bah, les enfants. Non, mais sérieux. Le speedo est vraiment il purifie. Attends. Champion. Attends, pour celui-là. Le speedo, il met pas de purif. Elle est où? Elle est là. Info. Voilà. Bon, c'est pas ça. Pardon, là. C'était peut-être contre la CBA. Ok. Putain, elle a trois lignes. Hey, il y a trois lignes dans son truc à elle là. Et elle est arrivée à niquer mon run. Sérieusement, sérieusement, le seul truc qu'elle. Hey, elle a qu'un seul truc à purif dans le truc. Elle... Non, mais non, elle ne met jamais de purif sur un spé. Merde, me suis fait niquer. Elle vient de me tuer mon run. Ah, je faisais un truc trop beau. Les coups critiques ont 90% de chance d'infliger une purge. Ok, il n'y a pas de problème. Mais sérieusement. Ok. Ok, bah elle m'a niqué. Elle m'a niqué, tout simplement. Je vais lui laisser ça, qu'il voit ça. Et Dark, il va... Mon leader va voir ça avant. Là, il va m'écrire, je vois déjà ton message en mode « Mais qu'est-ce que t'as fait sur ce saut? Comment t'as fait pour mourir ?»« Mais mec, je voulais l'immortalité pour booster et avoir un Hercule, si c'est ça qui a sanctionné en immortalité et en suicide !»« Mais non, même le jeu le veut pas !» Sérieusement, c'est du troll, je me fais troll. Genre, on peut même pas faire les essais qu'on veut, tout, c'est... Ah, c'est ouf. C'est ouf de chez ouf. Il y avait une toute petite chance... Une probabilité très fine, mais très 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 fine, que ça arrive quand même. Le SP2 met une gifle, que ça purge l'immortalité d'Hercule. C'est... Il y a une proba, hein, même 1% ça suffit, hein, de toute façon. Non mais c'est... Putain, le nombre de fois où moi j'ai joué Soso, j'ai pas le souvenir que le SP2 purge. Que quand tu tapes, ça purge. Oui, mais pas le SP2, j'ai pas ce souvenir-là. Mais ou alors j'ai... On fait jamais attention à ça. C'est vrai que quand on fait le SP2, on regarde surtout les dégâts qu'elle va mettre. On regarde pas vraiment le truc. Mais... Et merde. Bon ben voilà. Ah, elle est fou. Bon ben voilà. Un run au royaume des légendes. On a appris un truc. Hercule surpuissant. Probablement le meilleur perso du jeu. Enfin, oui, objectivement, il reste le meilleur perso du jeu. Ce qu'il fait, c'est ouf. Voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Fantomette est numéro 2, objectivement. Pour moi, Fantôme reste numéro 1, car Fantomette, c'est ma Fantomette. J'ai fait beaucoup plus de choses avec une Fantôme sur le jeu, en parlant de tous les contenus du jeu depuis sa sortie. En même temps, elle est sortie bien avant Hercule, bien entendu, qu'avec Hercule. Mais voilà, c'est... C'est juste, voilà, après, c'est moi, c'est parce que j'ai un petit pincement au cœur pour Fantomette, donc voilà pourquoi Fantomette, elle est là, je la mets numéro 1, mais Hercule est vraiment bien meilleur. Voilà, après, bah, voilà, on n'est pas allé au bout, voilà, j'ai voulu jouer à être en immortalité, parce que je me suis dit, on va taper plus fort, le but c'était de faire un run rapide, je voulais vraiment optimiser au maximum, quand j'ai pris CGR, j'ai pris de quoi faire énormément de coups critiques pour qu'il tape fort et il tapait très fort. Quand j'ai pris Soso, j'ai fait la même. J'ai pris Quicksilver et j'ai tout fait en sorte pour qu'elle mette un maximum de coups critiques. Ça a été très, très, très efficace. Voilà. Là, en attendant, eh ben merde. Ah bah merde. Non mais voilà, c'est le jeu. J'ai joué, j'ai perdu. Clairement, j'ai joué, j'ai perdu. C'est... Voilà. Et je vais pas refaire la vidéo. Vous savez quoi? Quand ça a perdu, j'avais presque envie de la refaire pour, une fois face à Soso, passer Soso. Je vais pas le faire. En même temps, on va tirer une leçon. On va tirer une leçon de là-dessus. Il faut faire attention contre Soso, une mystique qui peut purifier, à ne pas vouloir être en immortalité, même si le pourcentage est tout petit et minimum. Vous avez vu là, c'était
C'est tellement peu probable. Ok, c'est écrit 90% de chances de purifier sur un coup critique. Ce qui veut dire que déjà, faut mettre un critique. Elle n'a pas 100% de chance de mettre un critique sur le spé. Et en plus, une fois cette chance de critique, on a encore une chance de purger. Sur le spé, j'avais jamais fait attention vraiment. Donc vous voyez, même si les probas sont pas du tout de votre côté, après du côté Kabam, c'est toujours 100%. Et voilà. Mais voilà, je m'y attendais pas du tout. Je m'y attends, mais pas du tout, du tout. Hein, vraiment, je m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Donc voilà, mais c'est le jeu. Voilà, j'ai voulu jouer, j'ai perdu, j'ai fait le con. C'est pas grave, tant pis pour moi. En attendant, on a quand même pu voir des combats d'Hercule où il explose des mers. On a explosé le Fléau, on a explosé le Rhino. Même le Rhino, en essayant de se faire dégommer, on prenait beaucoup de coups et on n'arrivait pas à descendre dans le truc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, même en prenant mon temps, en essayant de perdre du temps pour être dans l'immortalité, là on l'est devenu, vous avez vu, il régène même tellement en fait c'est surpuissant et qui machine, on arrive à très bien régène, donc les suicides sur lui, là franchement, mon leader, Darkris, il va passer sur n'importe quel contenu du jeu avec son Hercule et il va dégommer. Les suicides le font plus régène qu'il machine, mais quand il fait un, au deuxième spé, c'est fin du combat, au deuxième spé, on a enlevé 500 000 PV, donc franchement, voilà, c'est une brute. Voilà, là il vient de faire le meilleur perso du jeu, tout en haut, voilà, c'est. Voilà, bravo à lui. GG. GG à lui. Félicitations. Bien vu. Voilà. Moi, je ferai pas Hercule. Voilà, mais j'en discuterai sur une autre vidéo. Voilà. Sinon, les enfants, eh ben la vidéo va se finir plus vite que prévu. Parce que c'était pas prévu que je meure comme ça. Voilà. Fait chier. Mais c'est de ma faute, c'est pas grave. On a appris quelque chose. À faire attention, le moindre petit risque. Voilà, il n'y a pas. Même quand on veut montrer quelque chose, faut faire attention. Voilà. En attendant, eh ben moi, je vous embrasse fort, je vous fais des bisous, je vous dis merci à tous. Comme d'habitude, si vous avez passé un perso ascensionné ou un gros monstre 6R5 et que vous avez envie de faire ça, voilà, n'hésitez pas à venir me voir et à me le dire. Moi, je peux tester. Voilà, j'ai d'autres persos en tête où j'ai envie de faire ça, mais je n'ai pas encore up, donc je ne fais pas tout de suite. Voilà, en attendant, n'oubliez pas le pouce bleu, ça fait plaisir. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas, le pouce rouge, je peux le concevoir que les vidéos ne plaisent pas, il n'y a aucun problème là-dessus. En attendant, laissez un commentaire pour expliquer et aider la chaîne à évoluer et à tout évoluer, et puis pour que vous aussi ce soit plaisant de venir regarder les vidéos sur la chaîne. En attendant, abonnez-vous au poteau qui est au-dessous, revenez pour les prochaines vidéos, vous savez que je vous kiffe, que je vous adore. Je vous fais des bisous, à plus, salut les filles. Des bisous, des bisous!